rondelles d'oignon, olives et tomates. Bon, on en est où là? C'est l'effervescence dans les cuisines du restaurant au Club Gourmand à Bar-le-Duc. Une dizaine d'enfants licenciés à l'association Fête le Murmeuse concoctent sous la houlette d'un chef professionnel un menu savoureux. On est en train de réaliser une sorte de cake à base de pain perdu. Ils cuisinent depuis 10 heures ce matin jusqu'à à peu près midi et demi. Le but, c'est de leur apprendre un petit peu les bases de l'alimentation et qu'ils puissent ensuite reproduire tout ça chez eux. C'est la troisième fois que ce programme d'éducation culinaire est organisé en partenariat avec l'association nationale La Tablée des Chefs. Voilà, en fait, on va gratter pour récupérer la pulpe. Membre de l'Académie culinaire de France, le chef James Madeira a fait le déplacement spécialement pour l'occasion depuis l'Alsace afin de transmettre son savoir aux plus jeunes. J'aime bien que les enfants s'y mettent à la cuisine, parce que la cuisine, bah, c'est pas que McDonald's, c'est pas que des boîtes de conserve, c'est pas que des trucs qu'on achète tout fait, qu'on ouvre à la récré. On peut cuisiner avec peu de choses et il faut pas que ça se perde. Et si je peux faire en sorte que les enfants retiennent ne serait-ce que 5% de ce que j'ai dans ma tête, j'aurais gagné. Cuisine, plonge ou encore service, aucune tâche n'a échappé à ces cuisiniers d'un jour. Une activité ludique qui semble plaire. J'aime bien, parce que ça détend, tu peux dire ça comme ça, c'est bien. C'est quoi qui te plaît? Faire fondre les épices. Bah, servir les gens et me faire manger. Dans la salle de réception, une trentaine de convives savourent l'entrée préparée par les apprentis cuisiniers, un caviar d'aubergine. Les enfants, c'est une belle journée pour cuisiner? Oui, chef! Allez, bon appétit! L'entrée est vraiment, c'est vraiment bon. C'est le goût, y a le goût, il y a tout, c'est délicieux. Il n'y a rien à dire. Ils ont bien travaillé, les enfants. Cet atelier culinaire sera renouvelé en décembre prochain pour une quatrième édition.